On n'a pas d'accès ici. Mais ici, oui. Tu vois ? Amita, t'as quelque chose pour moi ? Oui. On a enfin réussi à libérer le peuple au sud, mais le nord a été totalement coupé de nous à cause du pont du roi. Maintenant, on doit porter le combat sur les terres de Pagan et libérer le nord. Bon. Le pont est très bien défendu. Je pense que la grande porte peut résister à tous les types d'attaques. Oublie le C4 ou les explosifs habituels, ça ne sera pas suffisant, on se fera massacrer avant d'atteindre la porte. Et la mauvaise nouvelle ? J'ai un plan. Il y a un convoi, avec des produits chimiques. Je vais te demander de prendre le contrôle de ce camion, de l'amener sous leur nez et de faire sauter la porte. On pourra passer au nord. Et tu te rapprocheras un peu plus de Yuma. Alors, je me suis quand même pas mal rapproché de Yuma dans le dernier épisode, si je puis me permettre. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, LM Compagnie, comment allez-vous ? 25e épisode de notre aventure sur Far Cry 4, on est donc à Sanat, la reine de Sanat, on est allé voir Amita. Hey Jay, tu te diriges vers le pont ? Ouais. Mais je dois d'abord passer intercepter un convoi. Laisse tomber, mon frère. Il y a un camion qui attend seulement que tu l'empruntes à ses soldats. Je t'envoie les coordonnées. Ce pont est un objectif majeur pour le Sentier d'Or. Ne laisse pas Amita s'en attribuer les mérites. On fait ça pour ton père et pour tous les enfants bénis de Kira. Ne l'oublie pas. Ah ouais. Jusqu'au bout, il est en train de chier à la gueule d'Amita. Hein. Mais il nous a sauvé la vie, n'oubliez pas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents. N'oubliez pas le like, évidemment, habituel. Le petit commentaire tout de suite. Directement, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est absolument gratuit. Alors, vous pouvez payer également pour vous abonner, ça me soutient financièrement, mais c'est encore notre débat. Et je remercie également ceux qui le font. Il y a de la compagnie ici, donc on va libérer le nord, ça y est, on commence enfin à rentrer dans le concret. Mais donc, apparemment, voilà, on a une histoire de pont qui bloque les accès. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il a l'air au courant de ce qui se passe. Trouvez la source du danger et éliminez-la ! Mais... Attention, il est là ! Mais non, on mais... va se le faire. Mais non, mais tu sais pas que je suis là. Tu n'es pas censé savoir que je suis là. On va trouver celui qui a fait ça. On va le faire payer. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? L'intelligence artificielle sur ce jeu, elle fout en l'air un peu des fois des choses. Hein. Merde ! Parce que là, par exemple, là, il va m'empêcher de faire ça correctement, quoi. Il aurait pas dû venir, lui. Il aurait pas dû venir. Alors, n'oubliez pas que ma nouvelle arme n'a pas de silencieux, donc on va devoir faire ça au fusil au pistolet. Voilà. Terminé, pesé, remballé. Montez pas dans la voiture surtout, hein, sinon on est dans la merde. Bon, il faut que je leur vole le camion citerne tout simplement, donc on peut y aller à la one again. Hein. On doit le capturer. Donc jusqu'ici, pas de problème. Ah oui, il faut pas qu'il se fasse détruire aussi. Bon, c'est bien, ils me voient pas. Ils sont absolument aveugles. Ah, je peux passer par là-bas, regardez. Regardez, hein. Voilà. Ça, c'est du génie, ça. Ça, c'est du génie. Et là, normalement, si tout se passe bien, voilà, on va pouvoir escalader par ici. C'est ingénieux, je sais, merci. Ça a pas du tout été pensé pour, hein, voyons, hein. Hop. Alors je vais quand même prendre la bonne habitude de garder le pistolet à la main du coup. Parce que même si je me fais cramer, l'avantage du silencieux c'est qu'ils savent pas forcément où je suis. Donc même si je me fais cramer au moins voilà. Mais on va se mettre très très bien avec cette mitraillette par contre hein, pour allumer tout le monde, ça va être absolument parfait. Un sniper peut-être, non? Ok, en vrai de vrai je suis même pas obligé de les tuer je pense. Tout à fait. Allez. Salut les losers! Allez, salut! J'ai le camion, je roule vers le portail. Bonne chance, mon frère! Il s'étrangle avec. Ah! Ça, c'est embêtant, ça! Allez, salut! À la one again! Bon, là, il faut juste prier. Tunnel de Docula. Très bien. Il faut juste prier pour pas qu'il détruise mon camion parce que je peux pas faire grand chose là. Hop, voilà. Je peux pas faire grand chose. Ah, j'avais pas capté que ça tournait ici. Oh, salut. Voilà, très bien. C'est de la bonne musique en plus là hein. De la bonne musique locale. Là, dis-moi que ça passe. Bien sûr, bien sûr. Ah, ils ont fait des barrages à la one again hein. Voilà, ça dégage. On en profite. Après, il y a des tonneaux explosifs.
Ah, ça c'est un petit peu gênant ce qui vient de se passer. Le camion il arrive à la moitié de sa life. J'aime pas trop l'idée, on voit rien, on va se prendre un... Non c'est bon, tout va bien. Alors toi, hop. Tu vas pas vu venir celle-là hein. Allez, direction le pont, la porte, je ne sais quoi là. Ok, j'imagine c'est bien par là. Détruisez les portes avec le camion citerne. Attention, révolution, viva la libertad. Ah bah on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Hop, ça dégage. Bande de nullos. Bande de nullos. Ah oui, niveau propagande, ça y va ici hein. Allez, le pont du roi. Hop, ça c'est cadeau. Let's fucking go, libertad. Pardon. J'ai pas dû comprendre là. Ah ok. Ah ok. Sécuriser le complexe. J'arrive, t'inquiète. Le seul problème là, c'est qu'on a un mortier qui va nous casser la gueule. Et des alarmes qui sonnent. C'est surtout ça le vrai problème. Allez. Bon, on peut rien faire furtivement, il faut qu'on y aille. Alors le jeu me prank parce que je peux pas faire ce que je veux visiblement là. J'arrive pas à être mobile comme je le souhaite. Voilà, allez, suce ma queue là. Allez, salut les nulos. Merde. Ça c'est gênant. Voilà. C'est gênant. Oh. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Elle est vraiment bien cette arme. Elle est vraiment bien cette arme. J'ai bien fait de l'avoir prise. En vrai de vrai. Ah ouais. Ça balle. Je me suis emparé du pont. Je te connecte. Compris, AJ. On arrive, mais les hommes de la garde royale se dirigent vers toi. On n'arrivera pas à temps, mon frère. C'est à toi de les arrêter. T'inquiète, poulette. Appelle-moi Jesus. Enfant de Kira. AJ Gale. Le fils du grand Mohan Gale a pris le pont qui coupait notre cher pays en deux. Il a frappé au nom de Kira et désenclavé le Nord. J'invite tous nos vrais frères de foi à se soulever et à rejoindre notre combat pour sauver notre pays et sauver notre mode de vie. Alors, c'est un petit peu gênant là. C'est un petit peu gênant ce qui se passe. Ok. C'est très gênant. Je sais même pas où il est le mortier. Alors niveau munitions, je suis dans la merde en plus hein. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Bah je suis dans la merde en fait. Hop, ça dégage. Voilà. Oh c'est bon, j'ai des collègues qui arrivent. Magnifique. Les premiers collègues arrivent. Ok, il me reste trois. Il me reste trois seringues. Ok, il y a un masto. Il y a un masto, mais moi je m'en bats les steaks des mastos, j'ai ce qu'il faut. Viens là mon ref. Voilà, allez hop. Ça dégage. Et je vais plus te voir. Il me faut des munes. Le Sentier d'Or est arrivé au pont et ils sont prêts à t'aider. Va les rejoindre mon frère. Ouais. Et sois fier de ce que tu as fait. Ouais. Rencontrer les rebelles. Attends. Attends. Ça va bien se passer. J'arrive. Il me faut juste des munes là. Hop, le feu ça brûle, n'oubliez pas. Let's go. AJ, fils de Mohan Gale. Le pirate a une dette envers toi. Avec toi aux côtés de Sabal, les dieux recevront à nouveau la gloire qu'ils méritent. Merci. Oh, let's go! Ah, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile! Une clé pour le Nord. Là, on commence à... Voilà, on commence à... Bonsoir. Voilà, ça commence à devenir assez intéressant. Compétences, messieurs, dames. Vitesse de rechargement de toutes les armes. Hop, ça c'est fait.
Seringue de concentration. Voilà, je m'en fous. Augmente le temps passé sous l'eau. Vas-y, comme ça je débloque tout ce qu'il y a à gauche. Comme ça il manquera plus que là-haut le tigre. Très bien, voilà, on s'en fout. Pas mal, pas mal. Et bien voilà, ça y est, on commence à. On a conquéri le pont du roi. On va pouvoir eh bien, continuer nos péripéties. Ça va les refs? Ça va? Ça va les refs? Ça va? Très bien. Ça va? Très bien. Ça va? Très bien, tout le monde s'en branle. Bon, moi je récupère des munitions et ça c'est plutôt pas mal. En vrai. Nouvelle quête de Longinus. Ah, le retour de Longinus. On a également Sabal. Qui veut nous voir? Qui veut nous voir en terre inconnue déjà? Il est fou lui. Il est complètement fou lui. Eh bien écoutez les amis, on va rechiller un petit peu avec la, le clocher et l'avant-poste qui suit derrière. On va se faire ça les amis. Ça va être très très bien. A noter que attention du coup maintenant, les prochains avant-postes qu'on va débloquer, pardon, les prochains avant-postes pourront être repris par les rebelles. Enfin par le gouvernement je veux dire. Puisque bah, on n'est plus en terre. Voilà, là on est en terre inconnue, donc c'est pas safe du tout. Comment je vais faire moi là? Ça pue la merde déjà le nord. Dis-moi que je meurs pas là. Dis-moi que je meurs pas. Ok. Ok. Bon les amis, ça c'est une bonne chose de faite. Donc on va faire le clocher, ça va nous permettre de voir un petit peu mieux. Le clocher, le petit avant-poste également qui nous attend. Et puis ça va être plutôt, plutôt pas mal. Donc Yogi Regi de nouveau dispo. Sabal, nouvelle mission. Et puis Longinus également qui nous attend. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va récupérer les feuilles rouges qui traînent. Qui vont nous permettre encore une fois de faire des seringues de survie. C'est vrai que ça c'est vraiment des superbes seringues à confectionner en vrai. Hein. Ouais, tac, tac. Voilà, je suis au max, c'est parfait. C'est parfait. Allez, on avance, on se promène, on se balade. Du coup, on n'a pas, bah, on n'a pas la map encore en bas à gauche évidemment. Puisque du coup, c'est de la découverte. Et c'est plutôt chouette. Vous entendez la voiture? C'est des copains, c'est bon, tout va bien. Dépôt de munitions royales. Oh, attendez, tu me plais là. Tu me plais. Ah bah on arrive au niveau du clocher en plus, c'est parfait. Ah c'est là en fait. Oh. Oh. Bouge pas. Voilà. Ça c'est fait. Et si je dis pas de conneries, j'ai débloqué une nouvelle arme je crois, ou un truc. Confection, non, compétence. Je crois que j'ai débloqué un truc, non? Oh! Offre une barre de santé supplémentaire, on a débloqué la... On a fait la mission! Sans le faire exprès, trop bien, ok, trop cool. Mais je crois que j'ai débloqué en détruisant le convoi, j'ai débloqué une nouvelle arme à acheter, je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais vu ça en off. Bref, je raconte ma life. Non! Mais non! Voilà. Respecte-moi quand même. Bon, bah on a plein de munitions, c'est parfait, c'est juste nickel. Et on va pouvoir avoir une cinquième barre de vie. Au lieu de 4, et ça c'est juste parfait parce qu'on va en avoir besoin. Et pour cela, il nous faut juste encore quelques points de compétences évidemment à débloquer. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà, et donc là on peut pas monter là, hein. On se fout de notre gueule, c'est ça? D'accord, bon bah je vais trouver un moyen de monter et puis je vous retrouve juste après parce que ça va être long. Oui, détruis leur camion, qu'ils soient trop démunis pour riposter. Bientôt, ils ne pourront plus attaquer. Bon bah en tout cas c'est du vrai parcours de Yamakasi là que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Ok, il y a un sniper apparemment. Attends, j'ai vu un viseur laser me pointer là. Ok. Bon là on est vraiment en zone hostile hein. Là on est en zone hostile, le sniper en question il est là, très bien. Oh my god. Ah ouais, ils ont tout détruit, ils ont aucun respect quoi. Aucun respect. Bon, on peut passer par là, très bien. Ok. Ben, on est pile dans la tour et ça c'est plutôt pas mal en vrai. Ok. Mais c'est super facile. Les mecs ils sont à l'extérieur et je suis directement dans la tour. Let's go, c'est bénef. Allez, ça part, ça régale en fait. Oh. Putain. Bon bah voilà. Je me disais que ce serait pas si simple non plus, mais bon. Tant qu'ils détruisent pas la tour, moi ça me va. Alors attendez, bougez pas parce que là je suis plutôt pas mal. Alors le sniper. Voilà. Voilà, pas du tout.
D'accord. Oh, tu vas pas me prendre le chou, toi. Voilà, hein. 4 balles à un moment donné, ça suffit les conneries. Hein. Il est où l'autre? Je sais pas. Allez hop. Douter de Pagadmin, c'est commettre un acte de haute trahison. Eh ben d'accord. Eh ben d'accord. Ah, il a l'air un petit peu débordé le bonhomme en bas là. Hein. Comment on monte là ici? Tac tac tac. Ah bah ici là tout simplement. Voilà, ici, parfait. Qu'est-ce qui lui arrive lui? Ouais. Eh, je suis connu comme le loup blanc quand même hein. Je suis connu comme le loup blanc. Hop, on fait une petite lecture. Le paiement, très bien, merci beaucoup. Eh ben c'est parfait, ça régale, on pirate le signal. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai regardé un reportage récemment. Ça m'a un petit peu troué le bec. Parce que je vous parlais beaucoup en fait, surtout à l'époque quand c'est sorti. Comme dit, Far Cry 4, ça me faisait beaucoup penser à la Corée du Nord. Mais c'est vrai que malheureusement, en vrai de vrai, il y a beaucoup de pays, je ne savais pas, qui sont face à des guérillas, ce genre de choses quoi. Donc le peuple qui se révolte contre... enfin c'est même plus une révolte hein. Et parce que pseudo-dictature ou dictature. Et en fait c'est vrai que je savais pas, mais il y a beaucoup de pays qui sont concernés par ça. Et c'est grave quoi, c'est grave, c'est triste. Et soutien à tout le monde parce que c'est pas facile choisir son camp entre guillemets. Et en fait c'est typiquement ça quoi. Far Cry 4, tu joues à un jeu, mais ça actuellement pendant qu'on parle, il y en a qui sont en train de faire ça dans la vraie vie pour plusieurs choses quoi, tu vois. C'est assez amusant. Par contre c'est un chevalier lui ou... J'ai dit quoi? J'ai dit c'est assez quoi? J'espère que j'ai pas dit une bêtise. Des fois je parle plus vite que je ne le pense donc Par contre j'aimerais bien récupérer le bison en bas, j'en ai besoin. Donc on va y aller direct, si ça dérange personne. Aïe. Voilà. Voilà. Aïe. Voilà. Et puis écoutez, on va le dépecer hein, directement. Merde. Oh ça c'était cadeau, j'étais un petit peu fâché. J'ai voulu tirer mes petites balles. Voilà le yak. Et avec le yak, je vais pouvoir confectionner de nouvelles petites choses. Et notamment confection. Sac d'armes de lancer. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ou sac d'appât. Non, franchement, les couteaux de lancer, il n'y a rien de mieux. Parce que j'utilise beaucoup de couteaux de lancer. Hein. Et en plus, excusez-moi, mais on transporte également plus de grenades et de cocktails. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en plus, maintenant, il faut du dole. Et le dole, on en a super facilement et c'est chouette. Bon, là, on a des petites missions secondaires. On a surtout un avant-poste à côté que j'aimerais conquérir directement. Donc, hop, je vais le pointer sur la carte. Mais il y a des ennemis là qui n'ont pas capté qu'il y avait... Il est débile ou quoi? Il a pas capté qu'il se passait quelque chose là ou... Complètement con, lui. Il est complètement débile. Monsieur, vous avez pas vu que derrière vous j'ai semé la zizanie? Non. Ah bah oui, bah je me disais bien que vous aviez pas vu. C'était pas la peine de crier non quand même. Allez, on voit la fumée derrière. Moi je serais tenté d'y aller à la Yamakasi, c'est possible là de s'accrocher. Non vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Mais j'aimerais quand même garder la hauteur. J'aimerais quand même garder la hauteur. Mais je pense que là ce sera pas trop possible. Ouais. J'ai compris. Voilà, bon on aura quand même de la hauteur je pense là. Oui, magnifique, parfait. J'entends des loups. J'entends le loup, le renard et la belette. Ah, ça c'est un petit peu gênant parce que je n'ai pas de mitraillette Wouah. Wouah. Je suis mort. Je suis carrément mort. Je suis carrément mort les mecs. Non c'est bon. Ah non parce qu'il faudrait pas m'attaquer pendant que je fais l'avant-poste. Il y a deux alarmes j'ai vu avant hein. Je suis dans la merde un peu non? Ah oui je suis dans la merde. Ouais faut que je m'en occupe avant hein. Oh. Ça va. Ça va. Je m'attendais à pire. Mais c'est vrai que mon pistolet, il est pas dégueu. Attends. Je suis mort. Eh. On se détend hein.
Excusez-moi, là, je suis concentré, je parle plus, ça y est. Allez, l'avant-poste, deux alarmes. À confirmer, on a la hauteur. Il va pas être compliqué, l'avant-poste, voilà, déjà, je l'annonce. Il va pas être compliqué, j'ai une alarme là que je peux pas voir. Ah, il va peut-être pas être si facile que ce que je croyais. Mais, why not? Ah, l'autre alarme, elle est derrière. Ah oui, je suis dans la merde. Faudrait que je puisse monter là, c'est possible? Oui, je peux monter. D'ailleurs, j'espère que vous buvez du thé devant cette vidéo. Sinon, je vais vous démonter. Oh, je suis un poète. Là, l'alarme inaccessible. Là, l'alarme inaccessible. D'accord. Et il y a un chien, bien sûr. Est-ce que je me prendrais pas la petite seringue de survie? Pour voir si j'ai pas loupé quelqu'un. Ok, il y a un mec qui est planqué là-dedans. Sinon j'avais localisé tout le monde. Ok. Ok. Bon, j'ai l'alarme là. L'autre alarme, je peux y pénétrer. Bah tu sais ce que je vais faire? Regardez. Regardez bien. Parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ah voilà. Eh bah je suis mort. Ah, très bien ça. Très bien ça. Ah. Ah. Attendez, lui il rentre. Ok. Attendons un petit peu. Parce que si monte l'escalier, c'est chiant. Viens là. Pas un mot. Bon, là au moins je suis tranquille. Là au moins je suis tranquille. Putain. Ok, c'est bon. J'ai une alarme là. Ok. Ok. Encore une alarme. Putain, mais lui il fait le tour combien de fois, frère? Ok, je suis dans la merde. Là, il va voir le cadavre à l'intérieur. Il va voir le cadavre à l'intérieur. Il faut absolument que je shoote l'alarme. Oh oui. C'est bon. Oh putain. La chance. Parce que là, il va voir le cadavre. Mais il aura pas le temps. Parce que vous savez ce qu'il va voir d'abord? Vous savez ce qu'il va voir d'abord? Moi, je vais vous le dire. De vous à moi, de moi à vous. Que va-t-il voir en premier? Eh bien, il va voir la mort. Voilà, messieurs, dames. On va faire ça. Ils vont rien cramer. Ils vont rien cramer, mon pote. Oh, monstrueux. Monstrueux. Allez, let's go. Let's go. Bon, il reste plus que le chien en vrai, hein, mais. Voilà quoi. Putain, mec. Le premier avant-poste que je gère, genre, à fond les ballons, quoi. Sans que personne n'ait jamais rien vu. Oh, trop fier. N'oubliez pas le like, les amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, le dislike, l'abonnement, le commentaire. Surtout, j'ai hâte de vous lire. J'aime beaucoup vous lire, vous le savez. Et pour le référencement, évidemment, je ne vous le cache pas que ça fait énormément plaisir. Mais bon, ça reste du Far Cry 4, donc dans tous les cas, référencement ou non. Voilà, vous savez que c'est juste que j'aime vous lire. J'aime voir vos messages. Et puis voilà, par contre. Où est... Ah, elle est là, l'affiche. Hop. Ça dégage. Allez, à demain 16h, les amis, plein de bisous. C'était Mkolo, ciao tout le monde.